Thank you.
Allez, on va étudier l'introduction de ce morceau d'anthologie. Je te lis quand même. On va refaire la démo. Donc, je vais structurer ça. Mesure 1, mesure 2, mesure 3, mesure 4, mesure 5, mesure 6, mesure 7 et mesure 8. Donc, on voit qu'on joue le même thème deux fois, l'octave du dessous. Donc, voilà. Donc, regardons ça. Donc la mesure 1, regardez le thème, c'est Mi, Ré, Si, Do à la main droite. Allez, doucement. Et après, deuxième mesure, Do, Sol, Fa dièse et Si, Ré, Sol, main droite. Regardez le thème. Et rejouer. Et la main gauche a un peu évolué. Alors je vais refaire ça, regardez. Regardez, je joue le sol cette fois-ci plutôt que le la. Je vais jouer à l'octave du dessus. Et là pareil, je fais le sol plutôt que le do sol. Parce que regardez, avec le do sol, ça sonne pas très bien. Donc sol, fa dièse. Et là, je refais mon accord renversé. Donc voilà. Donc, on refait ça. Mesure 1. Allez, c'est parti. Mesure 1. Mesure 2. Mesure 3. Pardon, mesure 3. Mesure 4. Mesure 5. Mesure 6. Mesure 7. Et mesure 8. Ah, je vais te dire les accords maintenant. Donc le premier accord est un accord de La mineur. Donc un accord de Ré 4 7. On résout sur le Ré 7 et l'accord de Sol majeur.
je refais la même chose, accord de la mineur, vu qu'on fait le même thème. Et là, c'est la mineur 7, hein, parce qu'on a rajouté la 7e avec le sol. Et là, ré 7 avec le sol majeur. Et là, on fait le do sur l'accord de la mesure 7. On fait un accord de do quand même avec le sol. Pour simplifier, accord de la mineur, ré majeur et sol. C'est le fameux 2-5-1 qu'on retrouve beaucoup dans la musique. Voilà ce qu'il fallait voir pour l'introduction. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et à bientôt! Au revoir!